Rebonjour, nous voici maintenant sur le deuxième jour du salon, sur le dimanche. Et nous voilà devant le stand des Biojardins. Bonjour. Bonjour, donc les Biojardins, c'est une association qui a été créée en début d'année 2013. Et c'est donc notre première année de production. D'accord. C'est une production culture bio. Et voici un petit peu tout ce que l'association, composée de 20 personnes, donc 20 parcelles indépendantes. Chacun fait son potager familial. Et voici notre production. Donc, qu'est-ce qu'on a comme légumes, s'il vous plaît? Alors, les légumes, ce sont tous des légumes actuellement de saison. D'accord. Ici, vous avez des céleri raves. D'accord. Là, vous avez des rhubarbes, puis des tomates cœur de bœuf, qui font environ de 600 grammes en moyenne. Puis vous avez des carottes, échalotes, laitues, melons. Comme nous avons eu un très bel été, on a une production de melons assez importante. Des légumes anciens tels que potiron, pommes de terre, c'est-à-dire la bleue, des courgettes spaghetti. Ici, vous avez dans le stand des confitures qui ont été faites à base de fraises produites dans les jardins. Après, comme légumes anciens, vous avez aussi des radis noirs, tout cultivé bio, des potirons, un assortiment de toutes sortes. D'accord. Où se passe la culture, s'il vous plaît? Alors, la culture se passe à Billy, pas loin du cimetière allemand, pour ceux qui connaissent l'ancien stade Jojo. Donc, je vous répète, c'est une parcelle qui a été divisée en 20 petits lots individuels, chalet individuel avec cuve à eau et composteur. Si jamais je suis intéressé pour avoir une parcelle, comment ça marche? Il faut se rapprocher du bureau, remplir une fiche d'inscription. Donc pour l'inscription à l'association, ça coûte 20 euros, puis 30 euros à l'année. D'accord. Et bien sûr, il y a une fiche d'attente, sachant que vous ne pouvez pas prendre les premiers inscrits avant qu'il n'y ait un désistement. Actuellement, toutes les parcelles sont pleines? Oui, actuellement, toutes les parcelles. Il y a 18 parcelles individuelles, la 19e, épicerie sociale, la 20e pour l'école Jean Jaurès de Billy. Donc, il faut attendre qu'il y ait un désistement pour faire le remplacement. D'accord. Vous auriez un numéro de téléphone ou un email sur lequel on peut vous joindre? Alors, le numéro de téléphone, c'est le 06 22 45 06 07. On peut également retrouver toutes vos coordonnées sur le site internet de la ville de Billy-Berclau, www.billyberclau.fr. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.